Monsieur Perrin, vice-président du Conseil général de la Moselle, Noël de Moselle, ça y est, c'est le coup d'envoi ce soir. Oui, effectivement. Donc, ce soir, c'est le coup d'envoi de Noël de Moselle, une opération donc qui a été voulue par le président Weyten et sa majorité, largement d'ailleurs, acceptée par l'ensemble donc des 51 conseillers généraux, puisqu'il s'agit là effectivement de faire profiter notre public, nos habitants, les visiteurs, les touristes, de spectacles donc entièrement gratuits. Et donc, on espère bien sûr que tout se déroulera pour le mieux, dans le meilleur des mondes, à partir de ce 1er décembre. Et donc, avant-scène, c'est l'occasion donc de renouveler, si vous voulez, donc la philosophie, de s'inscrire dans la philosophie du calendrier de l'Avent, en dévoilant chaque jour donc une fenêtre de ce calendrier qui correspond effectivement soit à un spectacle, soit à un concert, soit donc à une opération exposition, dégustation. Donc voilà, c'est une palette très très large pendant ces 24 jours qui sera offerte donc aux Messines, aux Messins, mais à tous les Mosellans, toutes les Mosellanes et tous ceux qui voudront bien venir donc assister à ces spectacles ou à ces expositions. Alors la particularité, c'est que c'est l'association du Conseil général de la ville de Metz et de Metz Métropole cette année. C'est une union qui fait la force en quelque sorte. Oui, le Conseil général a décidé donc de confier, on va dire, la recherche des spectacles, la programmation à son bras armé en termes de culture et d'événementiel, c'est-à-dire Moselle Art Vivant, présidé par mon collègue Jean-Claude Cuna et donc dirigé par Christian Schnell et lui-même accompagné d'une équipe très compétente. Et c'est effectivement Moselle Art Vivant qui, au nom du Conseil général, en lien avec la ville de Metz et avec Metz Métropole, ont conçu donc l'ensemble de cette opération sur la ville de Metz et son agglomération, puisque certains spectacles se passeront, certaines manifestations se passeront également à Montigny-les-Metz. Et donc, c'est vraiment un partenariat tout à fait exemplaire qu'il convient là de souligner entre trois collectivités fort importantes au niveau de la Moselle, bien entendu. Et effectivement, nous espérons bien sûr que ce sera cette année une réussite. Bien sûr, c'est une première expérience, un premier festival événementiel de ce type, mais on a bon espoir que tout se passe sera effectivement bien et que par conséquent ce sera sans doute renouvelé les années suivantes. Il en est des peuples comme des espèces. Faute de pouvoir encore se reproduire, ils disparaissent. Il en est des langues comme des peuples que personne ne les parle plus guère et elles s'éteignent irrémédiablement. Au moins, celles qui de l'art vivant ont pu trouver refuge dans l'écriture, sont-elles à l'abri de l'oubli? Et encore, les autres, le même vent les disperse, qui éparpille la poussière de leur dernier détenteur. J'ai lu quelque part qu'un peuple s'est ainsi éteint là-bas, sur les rives du fleuve Orénoque. Mais pas sa langue, à l'origine de ce prodige, une poignée de perroquets. Les habitants de cet endroit avaient eu l'usage par fantaisie d'apprivoiser en grand nombre les fameux volatiles dont la capacité à reproduire la voix humaine est connue. Alors Gwenaëlle Plougonven, je suis chargée de communication, de production et de diffusion au sein de la compagnie Luc Amoros. Alors Luc Amoros, c'est le premier spectacle qu'on va pouvoir découvrir à Metz. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette compagnie? Alors, c'est une compagnie qui existe depuis une trentaine d'années, qui travaille sur le théâtre d'ombre et puis qui, au fil des années, a un peu ouvert à d'autres disciplines, à savoir la musique et notamment l'art plastique dans les dernières créations. Voilà, des choses qui tiennent beaucoup à des thématiques qui tiennent beaucoup à cœur de Luc. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça, la compagnie, théâtre d'ombre, musique, art plastique, toujours des choses qui sont faites en direct. Il n'y a jamais de choses enregistrées, on devine toujours les coulisses, on devine toujours ce qui s'y passe. C'est ça aussi un peu la spécificité des spectacles. Alors vous n'êtes pas une compagnie mosellane? On est un peu une compagnie mosellane, un peu beaucoup même quand même. On est vraiment à cheval entre la Moselle et le Bas-Rhin puisque nous avons effectivement nos bureaux à Strasbourg, mais nous sommes associés à un lieu qui est la Halverrière de Meisenthal, donc que Luc a vraiment monté et imaginé avec le CADAM, qui est le collectif qui gère cette halle. Donc voilà, on est quand même très mosellan puisque très attaché à ce lieu et on intervient régulièrement en tant que conseiller artistique sur la programmation, sur les directions, toujours en concertation évidemment avec le CADAM qui gère cette halle à Meisenthal.
Alors, qu'est-ce qui fait un petit peu la particularité de vos spectacles? On voit des échafaudages, c'est un peu ça? Alors pas toujours, mais oui, on en a utilisé, et là notamment sur ce spectacle qui s'appelle Page Blanche, où donc c'est un échafaudage sur trois étages, trois niveaux, avec deux peintres chanteurs par niveau qui vont en direct créer des peintures, donc qui vont peindre, dessiner, graver en direct toujours devant le public. Donc il y a différents écrans, ils sont accompagnés par un musicien, basse et contrebasse, et tout se fait une fois de plus en direct puisque ces images aussitôt terminées vont disparaître. Je m'appelle Agnès, nous sommes le 1er décembre 2012 à Metz et il est exactement 18h23. Moi, c'est Sylvie. Ce soir, après notre rencontre, nous aurons appliqué sur nos toiles environ 100 kg de peinture noire, presque autant de blanche et 75 kg de couleurs variées à l'aide de 134 pinceaux et 35 éponges. Nous aurons enduit puis froissé environ 360 mètres carrés de film plastique adhésif. Et nous vous aurons chanté environ 2587 notes de musique, accompagnées par les basses de Jérôme, qui est venu spécialement de Strasbourg. Tout cela dans le but de vous faire partager notre humeur du jour. Moi, je m'appelle Pierre, je viens de Bruxelles, en Belgique. Et si ce soir vous regardiez ces images en vous disant, et si le monde était une page blanche? Si le monde n'existait que lorsque nous le peignons, le chantons, le dansons, seriez-vous prêts à abandonner vos manies d'arpenteur, vos désirs de comptable, pour lui inventer, au gré de vos pinceaux et dans le tumulte de vos voix, des géographies idéales? Ici, ce soir, nulle image à vendre, aucune image à prendre, pas de marché de marchandage, pas plus de mise à prix. Ni commission, ni tractation, encore moins de spéculation. Et pourtant, tout doit disparaître. Images éphémères pour recréer le monde. Chants volatiles pour tracer nos parcours. Mais comme nos voix qui en nous résonnent, bien après qu'elle a cessé de retentir à nos oreilles, puissent nos images, une fois éteintes à vos yeux, briller encore et s'épanouir. Moi, je m'appelle Katharina. Je viens de Vienne, en Autriche. À présent, il est 18h25. Le temps est idéal pour poursuivre notre voyage, car les étoiles brillent dans le ciel de Metz. Vous nous avez demandé la lune. Là, voici. C'est un beau moment pour nous, puisque ça fait quelques mois maintenant qu'on prépare cet événement. On va offrir, grâce au Conseil général de la Moselle, de la ville de Metz et de Metz Métropole, 24 petites sucreries culturelles à tous nos amis mosellans, messins et aux visiteurs de la Moselle. L'idée, en fait, c'est d'avoir un grand calendrier de l'Avent culturel et de partager les 24 jours qui précèdent Noël, un petit moment de culture ensemble. Alors, c'est aussi bien des amateurs que des professionnels qu'on va pouvoir découvrir. Tout à fait, c'est pour cette première saison et cette première édition une programmation très éclectique avec des visites insolites, avec des interprétations de compagnies mosellanes, messines, d'amateurs mosellans et messins, mais également de grosses compagnies internationales et de compagnies françaises les week-ends qui vont venir ici à Metz présenter leur spectacle. Alors, tout au long des lanternes aussi qui ornent le Conseil général et puis ses environs. Tout à fait. Depuis hier et jusqu'au 30 décembre, de 17h à 19h30, tous les soirs, à l'exception du 24 décembre, ces lanternes sont offertes en visite libre et en visite gratuite, il faut le souligner. Donc venez replonger dans le temps de l'enfance et découvrir ces soldats, ces gnomes, ces nounours, ces teddys, toutes ces figurines de Noël. Laissez vos enfants venir s'émerveiller et rentrer tout doucement dans Noël grâce au Conseil général de la Moselle. Alors la programmation, où est-ce qu'on peut la retrouver cette programmation ?
Alors, il y a le plus simple, c'est de taper sur le net Noël de Moselle au pluriel et vous allez avoir toute la programmation. Il y a également possibilité, bien sûr, de contacter l'Office de tourisme de Metz ainsi que Moselle Tourisme qui vous donnera tous les renseignements utiles et techniques. Alors, deux temps forts. Alors effectivement, je vous invite à venir vendredi et samedi prochain à Montigny pour un spectacle tout de feu. C'est la Salamandre, une compagnie qui est spécialiste de ce travail autour du feu et qui va vous emmener dans un univers un peu onirique, un peu fantastique. Donc c'est vendredi à 20h et samedi à 18h dans le parc du château de Courcelles-Chaussy. Et puis, allez-vous balader le dimanche 23 dans le hall de la gare à 18h et je pense que vous allez être surpris, j'en dis pas plus, mais le hall de la gare de Metz va se transformer en une scène assez insolite.